Alors bonjour Monsieur Vergne, on est devant votre magasin L'Arbre de Vie, qui est un magasin emblématique du bonsaï à Paris et en France. Vous êtes l'un des premiers magasins à avoir ouvert en 1983. Oui. On l'évoquait ensemble tout à l'heure, juste avant vous, il y avait le magasin Charlane dans le 17e. Oui. Un an juste avant. Un petit peu avant, oui. Voilà, c'est ça. Mais vous êtes l'un des pionniers du bonsaï en France et à Paris précisément, puisque votre magasin est ouvert en 1983. Et aujourd'hui, la durée. C'est ça, 1983, 37 ans. Et toutes les bonnes choses ont une fin. Et vous nous annoncez aujourd'hui la fermeture du magasin, c'est ça? Oui, je ferme le magasin. Je prends ma retraite à 71 ans. Donc je prends ma retraite. J'ai essayé très longtemps de trouver un repreneur. Et puisque ça n'a pas marché, eh bien, j'ai abandonné cette fois-ci. Voilà, je passe la main. D'accord. Ah, c'est une nouvelle un peu triste pour les amateurs et les passionnés parisiens. On espère que vous avez semé des graines de passion et que certains reprendront le flambeau. Est-ce que la fermeture elle est liée uniquement à votre retraite ou à la configuration du business en ce moment Non, le Covid évidemment c'était pas drôle. Rester 2 mois sans chiffre d'affaires, c'était pas drôle. Mais en fait, dès la reprise, les gens se sont, entre guillemets, jetés chez nous. Et donc, ça a bien marché. On a surtout perdu cette année, à cause du Covid, des services comme les rempotages qui devaient se faire à ce moment-là. Bien sûr. Mais sinon, non. En fait, aujourd'hui, là, au moment de la fermeture, on a rattrapé complètement le retard qu'on avait pris. D'accord. Donc, non, c'est une affaire qui est saine, etc. Il n'y a aucun problème de ce type. C'est vraiment... c'est l'âge qui m'a rattrapé, quoi. Je vais passer plus de temps maintenant à m'occuper des miens. Des vôtres, voilà, des vôtres, exactement. Délaissés pour ceux des autres. C'est un petit peu la dernière roue du carrosse. Mais c'est souvent le cas, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bah écoutez, Monsieur Vergne, je suis ravi qu'on ait pu échanger, malgré les circonstances qui, moi, en tant que passionné, me rendent un peu triste et nostalgique. Mais merci quand même, et puis merci pour ces années de partage de passion. Merci beaucoup.